assez clair, je suis responsable d'exploitation sur le site de Coesio Lyon. Je suis responsable d'exploitation depuis un an, mais je suis arrivée en tant que manager sur le parc, manager opérationnel. Et j'ai fait une super intégration, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines de permanence, j'ai fait une grosse boulette, à savoir j'ai éteint toutes les bornes du jeu, ce sont des bornes en fait où les joueurs se connectent pour pouvoir avancer dans la mission. Et en pensant éteindre seulement les bornes d'accueil, j'ai éteint absolument toutes les bornes du jeu avec des clients qui s'en seront trouvés donc sans plus rien à faire dans la mission pendant 15 minutes, le temps de tout redémarrer. Voilà. Je suis responsable d'exploitation sur le parc et ce métier, qu'est-ce que ça veut dire? Ce métier, c'est d'abord la gestion opérationnelle du parc au quotidien. Donc ça comprend toute la gestion du personnel, l'administratif, la planification de tout le monde. Ça comprend aussi la partie approvisionnement du parc, donc sur les commandes, chercher des solutions pour tout ce qui ou des solutions d'amélioration pour tout ce qui va ou ce qui ne va plus sur le parc. Et c'est aussi toute une partie de développement de nos offres, que ce soit expérience, que ce soit cuisine, bar. Voilà, parce que l'objectif pour moi, c'est d'atteindre des objectifs de fréquentation qu'on a fixés sur le parc, donc faire venir et faire rester et faire revenir. Les clients, ça passe aussi par de l'animation du lieu, de l'événementiel, de l'amélioration de nos expériences ou du développement de nouvelles offres et de nouvelles expériences. Le mot pour la fin, c'est que pour moi, Coesio, c'est une très belle fabrique de souvenirs. C'est comme ça que je le vois, parce qu'on crée des moments de vie, des moments de partage et de convivialité, et c'est des moments dont on se rappelle, les moments avec ses proches. Et moi, je suis très très heureuse de vivre et de travailler pour une entreprise qui a ce sens-là et qui veut vraiment donner l'opportunité de créer tous ces souvenirs qu'on a avec, avec nos proches. Donc, c'est que du kiff.